Hello à toutes et à tous, c'est Orphornas. Alors, défi numéro 2 de Call of Duty MW3. Alors, défi numéro 2, comme dans le défi numéro 1, je vais tenter avec une autre sensibilité. Je fais cette vidéo juste après la numéro 1, je vous préviens. Je suis à bout, je me suis un peu habitué à la sensibilité 10, mais pas encore assez pour pouvoir jouer avec. Non, jamais. Jamais je ne jouerai en sensibilité 10. Parce que je n'arriverai jamais. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo juste avant, je vous invite à aller voir, c'est vraiment très marrant. Donc je vais rappeler un peu à quoi je joue. Je joue au TI-95 avec tir rapide, recul et un machin pourri. Au Steiger, que j'utiliserai à mon avis pas. À la fragmentation grenade fumigène, avec tour de passe-passe pro, détermination tracker pro. Soutien drone, veste balistique et drone de reco avec main du mort. Pour y en a un qui essaie de me cuter, même si ça ne sert à rien vu que ça ne se déclenche pas. Alors... Retour, et c'est parti. En bien entendu, match à mort par équipe. On va essayer village avec un peu de chance. Ou Arcadon, comme ça on continue, on suit la série. Ah, mission que de souvenirs. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis ça, allez voir la première. Ceux qui ont déjà vu la première, le 089, je m'en souviens. Hein, alors on change déjà la sensibilité. Ah merde. La sensibilité, et on l'a fait passer à du... Ah merde, hop. À du fucking 1. Ah bah tiens, ça me souvient, je me rappelle des trucs. Oh mon dieu, oh purée, ça va être marrant, ça va être une tranche de rire. Ah, oh purée, ça va être pire encore. Ça va être pire encore que l'autre, je le sens. Oh, quelle horreur. Ça va être d'une horreur, mais catastrophique. Catastrophique, même si je connais pas. Je ne sais pas si ce nom existe. Je m'en tape. Oh mon dieu. Mon dieu. Il est où? Il y avait un truc. Oh putain. Il est où? Ah fuck, il est où? Là, il est là. Mais pourquoi tu peux pas lancer? Ah voilà. Ben voilà. Oh mon dieu. Non, cache-toi. Oh, c'est comme un Battlefield. Alors, je vais dire... On dit que Battlefield c'est de la merde et je fais encore un pire ratio que dans l'autre côté. Bon. On dit que Battlefield, certains pensent que Battlefield c'est de la merde. Alors je dirais que c'est vachement différent de MW3. Quant au fait que... Oh oui, un kill. Oh, magnifique. Quant au fait que... comment? Que... Ah! Qu'il y a beaucoup plus de campus sur Battlefield que sur MW3. C'est normal. Le jeu Battlefield est presque lié et joué aux bases de la campouse. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins. Alors je vais dire ça dépend des genres, ça dépend des styles et merde, tir croisé. Ça dépend des styles, ça dépend de ceux qui préfèrent jouer gros bourrin ou se la jouer un peu moins gros bourrin. Mais plus stratégique. Allez, vas-y. Ah oui. Ah, c'est que je vais me la faire aujourd'hui les hélicos, tiens. Mais non, sur l'autre, crétin. Oh, détermination pro. Ah, j'ai augmenté mon niveau d'arme, tiens. Ah, oh, j'ai vraiment l'impression de jouer, mais je sais pas avec quoi. Qui peut jouer avec une sensibilité 1? C'est pas possible. C'est impossible. Totalement. Je suis désolé. Alors, rien que pour continuer un peu le massacre, je vais changer et je vais jouer avec... Toujours avec ça. Et mon dieu, bah évidemment, il y en a des pires que moi. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font des vies? Ah, mais il est niveau 2. Ça ne prouve rien, il est peut-être prestige. Hein. Alors, juste pour le fun, on va encore en faire un hein, sur Arcadon. Comme ça, on suit. Enfin, je vais essayer de lancer sur Arcadon. Non, rejoignez Arcadon. Parce que j'ai. Ah, voilà. Bref. C'est vraiment horrible. Alors, je vais dire le striker pour ceux qui jouent avec. Je respecte.
pour ceux qui jouent avec vraiment respect, ne serait-ce que pour ceux qui sont vraiment dit ouais c'est nul jouer au striker, va te faire voir, c'est de la merde et tout, c'est une arme de noob, ok. Je suis d'accord sur ce fait-là, c'est une arme de noob, c'est une arme de gros bourrin, c'est une arme de vraiment, elle est cheatée cette arme. Mais c'est pas toujours facile de jouer avec. Parce que voilà, on s'acharne sur eux, alors ils doivent se démerder. Et donc, je trouve ça, à la limite, c'est bien. Deuxième chose, c'est que ceux qui jouent au bouclier anti-émeute, il y en a d'autres, il y en a certains, et je vais dire que ça existe, qui disent, ouais, ce sont des merdes, juste pour. Merde. Juste pour faire chier leur monde, ils vont se mettre en bouclier anti-émeute, comme ça on va pas pouvoir les buter. Pour ceux qui jouent au bouclier anti-émeute, respect. Mais beaucoup plus respect que le pour Striker. Parce que pour jouer au bouclier anti-émeute, j'ai essayé, j'y arrive plus ou moins. Mais vraiment, respect pour ceux-là. Parce que c'est vraiment pas facile. Ils doivent se mettre vraiment au corps à corps. S'ils sont pris dans un tir croisé, c'est fini pour eux. Ils doivent se foutre dans un coin, ils doivent attendre que ça passe. Et donc voilà, rien que pour ça, respect. Vraiment. Voilà, maintenant je vais me faire contredire, je le sens. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah, il tourne. Oh putain. Putain de merde. Et vas-y, mets-toi déjà en mode tracker. Oh, fuck you, fuck you. Oh, ça va pas être facile, je le sens, je le sens. Hop, je vais tenter un cross de map, ou même pas un cross de map. Non, j'ai rien fait. Ah, ils sont là-bas. Eh merde. À quoi il m'a tué? OMK14. Oh mon Dieu. Apparemment cette arme est bien, je sais pas trop. J'ai jamais joué, je l'ai pas encore débloqué aussi, je suis pas encore prestige. Non! Alors, je vais dire peut-être un truc, mais j'ai remarqué qu'on dirait que sur Battlefield, ils ont baissé la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont rendu les armes encore plus meurtrières? Est-ce qu'ils ont baissé la vie? Je sais pas trop. Tu m'as fait peur, toi. Fuck you, lâche-moi! Oh purée, mais. Oh, voilà. Ça, c'est l'éternelle blague. Enfin, bon, bref. J'ai joué tout à l'heure. Enfin, je sais pas, tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure, mais c'est il y a pas mal de temps, en fait. Avec un gars. Et il était ASK. Et je sais pas, premier réflexe, c'est que je l'ai mis en joue et j'ai tiré. J'ai vidé un chargeur complet de Scarrel, mais vraiment un chargeur quoi. Un vrai chargeur. J'avais plus. C'est pas un chargeur, j'ai vidé toutes les balles que j'avais sur moi. Et puis, il a sorti son 44 Magnum, il m'a visé en tête et je suis mort. Voilà, je comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé, si c'est un hacker, ou je sais pas trop quoi, parce que je comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Bien dans la tête en plus, hein, bien dans le corps, partout. Alors, si vous savez quoi, dites-moi, indiquez-le dans la description, parce que je commence à saturer. Oh purée. J'aime bien détruire les vitres. Je sais pas si on savait le faire aussi dans Black Ops. Je ferai peut-être encore une fois des vidéos sur Black Ops. Parce que ça me manque. Mon premier Call of Duty sur Black Ops. Ah, oh, c'était le bon temps. Oh là là, il y en a un là. Oh là là, il y en a un là et fuck. Oh, barrette 50. Oh purée. On m'a demandé pourquoi je joue au snipe. Vous voulez que je joue au snipe? Ok. On va jouer au snipe. On va jouer au snipe. Je crois que j'ai une. Ah, j'ai pas de classe. Tant pis. Allez, barrette. Ok. On va jouer au snipe. Mais vous allez voir à quel point je suis pourri. Mais vraiment pourri. De chez pourri! Fuck. Si j'arrive à mourir. Ok, bon. On va provoquer sa mort. Non, jamais. Toute façon, ça risque de pas durer très très longtemps. Okay. Oh oui. Et merde. Ah, je me fais chier, lui, là. Ah, merde. Je vais mourir. Mais. Ah, ouais. Hop. Je vais mourir.
Oh oui. C'est que je deviens bon. Oh non, non. Oh voilà. Maintenant vous allez voir pourquoi je joue pas au barrette. Déjà, j'ai même pas visé solide sur ce truc de merde. Donc je vais devoir faire des hardscopes, mais à mort. Oh putain, il y en a un qui campe derrière. Oh non. Putain, ça va être marrant, ça va être marrant. Oh putain, voilà. Je suis obligé de faire des noscopes. Je suis obligé, ou sinon je dois faire des hardscopes, mais à la mort. Je ne sais pas jouer snipe. J'ai essayé. Et voilà, tiens, comment? Oh putain, ça me tue. Des gens qui savent jouer au snipe et qui font des hardscopes, mais. Je vais y aller, je vais y arriver, je vais y arriver. Eh vas-y, viens. Oh non! Oh putain. MK14, c'est déprimant. Et hop, c'est trop déprimant. MK46, UMP, G36. Bon allez, je suis énervé là. Hop, ça va être chaud. Chaud bouillant. J'ai tué un gars! Oh oui, c'était beau, je suis content. Ah non, oh là là là. Oh putain. Oh, je suis content. Je suis content. Je crois que je commence à l'aimer cette sensibilité 1. Non, c'est une blague, hein, j'arriverai jamais à jouer avec ça. Ça m'énerve parce que je suis vraiment déconcentré, parce que j'essaie de dire de pas dire de conneries. Oh, fais chier. P90. J'essaie de pas dire trop de conneries, mais faire les deux en même temps, je vous assure que c'est vraiment pas facile de fuck. Oh merde. Oh, il y en a un qui s'appelle Dieu en plus. Oh putain. Je veux voir, je veux voir. Allez hop, vas-y, vas-y. Ah, oh, dans les jambes. Tu meurs dans les jambes. Ça me rappelle le Cyprien quand il se sort la cheville et il meurt parce qu'il n'y a plus de vie. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais encore faire des vidéos, vous en faites pas, surtout sur des défis parce que je trouve ça assez chouette, assez marrant et assez facile à tourner. Donc voilà. Hop. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bye à tous.